Hello. Arrêtez d'être trop gentils. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Nous accompagnons les hommes actifs et motivés pour dépasser leurs limites, quitter la friend zone et enfin oser aborder, attirer Et et. séduire la femme qui leur plaît. Yes. En réalité, la gentillesse est une grande qualité et donc on n'est jamais trop gentil. Par contre, on peut avoir une fausse conception de la gentillesse. Et donc, ce qu'on appelle communément être trop gentil, c'est une forme de chercher à plaire. C'est par exemple rendre service à une femme, sentir qu'on doit toujours être agréable avec une femme, Dans l'espoir qu'il puisse se passer quelque qu'on ne chose. peut pas dire un truc qui la surprenne négativement, qu'on doit toujours apporter des bonnes émotions, des bonnes émotions, des bonnes émotions. Qu'on doit la caresser dans le sens du poil, quoi d'autre, c'est déjà pas mal. On doit être Qu'on tout le temps disponible, lui faire des tout le temps cadeaux. agréable, Ouais. très très prévenant, attentionné, etc. Surtout ne jamais la brusquer. Tout ça. Wow! On adore. Enfin, on adore. Ouais, Dans les alors. limites du raisonnable, quand Ouais, c'est même. ça, Dans les limites du consentement. on est un peu sur des œufs là. Ouais. Ou dans les limites de jeu sexuel. Ouais. Ouais. Consenti au préalable. Ouais, c'est ça. On précise. Un minimum d'intelligence sociale, les mecs. Et donc, l'alternative, ouais, non, d'abord, pourquoi c'est important? Parce que si tu te comportes de cette façon trop gentille, un peu supplicative, et que tu cherches à plaire et apporter toujours des choses agréables, bah, ce que ça sous-communique, c'est que tu estimes ne pas mériter cette femme, parce que tu ne te donnes pas le droit d'être authentique avec elle, et donc tu es en train d'adopter un comportement spécial pour être à son niveau, pour marquer des points. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'un des paradoxes de la séduction, c'est que chercher à plaire, ça fait fuir. Alors c'est quoi le contraire de chercher à plaire? Est-ce que c'est devenir le bad boy connard de service? Bah non. Il y a des éléments à retenir du bad boy, c'est-à-dire être authentique, savoir ce qu'on veut dans la vie, savoir qui on est, savoir où on va. Et proposer à une femme de nous accompagner dans ce qu'on aime faire, et découvrir aussi son monde, parce que ça va dans les deux sens. Mais voilà, le contraire d'être trop gentil, c'est d'être authentique, ça veut dire d'être comme avec les autres personnes que tu connais dans ton cercle social. Ça Ça te va? me va. Like la vidéo, commente en dessous, abonne-toi, clique sur la cloche, et si tu veux aller plus loin avec nous, tu peux télécharger, c'est dans le lien, dans la description en dessous. Mon guide PDF gratuit sur les quatre compétences clés à adopter et à cultiver. À demain. À demain. Au revoir.